Salut à toutes et à tous et bienvenue chez Psychodélique. Ça commence très bien. Je suis en compagnie tout d'abord d'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Daltonix. Bonsoir tout le monde. Vous avez pu le voir dans les péripéties sur Left 4 Dead précédemment. De ce nouveau Need for Speed Most Wanted. Dis-moi, t'as bu avant de... Bah, je suis en train de regarder le micro et de regarder mes auditeurs pendant que je conduis aussi. C'est, voilà, ne pas parler à aux passagers, c'est très dangereux. En route, je veux dire, t'es déjà... Alors, un truc important, voilà, on peut faire du burn. Ça, pour moi, j'ai vu des jeux de course où ça, c'était juste impossible. Et là, c'est possible, on peut faire du burn. Et ça c'est beau. Maintenant, tu es plus du genre à... Hé, hey, connard. Pardon. Hé hey. Alors, oui, le jeu est développé par... Criterion Game, donc c'est du burn-out, et là on sent le côté burn-out. Ah oui, ce ne serait-ce parce que c'est écrit. Voilà, mais quel modèle, je ne suis pas expert. C'est bon, je change de couleur à chaque checkpoint. Ah oui, apparemment. Je suis fatigué du boulot. Et le caméléon. Je suis désolé, je suis assez fatigué du boulot. Non, t'étais bien rouge avant de passer la station. Bien rouge, je suis pas fou. Oui, moi aussi. J'aime bien le tachymètre, comment on appelle ça, le rodateur, le... Le pédimètre. Le pédomètre. Le pédomètre. Non, le pédimètre. Le roulomètre. Oui, le truc où il y a les kilomètres heure qui font... Trrr, façon qu'il y a 2000. Oh putain, les vieux, on a l'air de vieux. Le kilométrage, mais comment on appelle ça? L'affichage. Le compteur. Le compteur, bravo, merci Darien. Merci Darien. Voilà, il faut pas être trentenaire. Hein. Un adversaire. Oh, pfff, t'es gangbanger! Ah, gangbanger 2 là! Il est sandwich! Oui, ouais. Ah, ouais, il revient! Là, par contre, c'est un peu abusé, le gars il vient de se manger un accident! Voilà, ah, ouais, c'est pareil, ils s'en mangent un deuxième, c'est sûr d'être sûr! Au troisième, c'est bien! Voilà, c'est bien! Un petit coup de Dakivor! Ah! Bah oui, je suis sur le podium, c'est cool! Ouais. Ah, oui, c'est sûr, c'est. Parce qu'il s'est pris la camionnette! C'est pas possible! Oh joli. Alors les plaques d'immatriculation, t'as vu, c'est Need for Speed. J'espère qu'on pourra configurer sa plaque d'immatriculation. Peut-être qu'on peut le faire tout de suite d'ailleurs. Psychodélique 007 pour faire un. Oui, non, ouais, n'importe quoi, ouais. Dakivor. T'imagines, je suis dans les 300 derniers mètres. Le gars, ouais, je vais être premier. Moi j'ai dérapage et la turbo. Et le gars il voit le Dakivor de plus en plus petit. En fait, non, les gars, dès le début, ils voient Dakivor sur la plaque, ils déco direct. Ils déco direct, ils rage quitte. Ils rage quitte. Oh, c'est lui, c'est juste mort. Ici, non, sans trop. Voilà, juste comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, non, c'est tout seul, ça fait son trip. Il y a Spielberg qui est arrivé, il fait pourquoi on se prépare à 360 autour de la machine? Ouais, bah 2 secondes. Ah, tiens, prends le saut, mets-toi bien au milieu, voir ce que ça va donner. Ah, j'ai plus de boost. C'est pas grave. On va déjà faire un mini saut. Attends, c'est pas possible. Je vais le faire ce saut. Boudidou. J'étais même pas assez. Pas encore. Vas-y. Nitro. Ah, il est en face. C'est bon, je l'ai. C'est bon. Donc augmente brièvement la puissance du moteur. D'accord. Oui, c'est un jeu. Je veux dire, t'es tranquille. Tu fais chier personne. L'ordinateur, puis on sait pas pourquoi. Sans mettre de la fin, il t'emboutit. T'as les 5 qui te passent devant. C'est, voilà, c'est... Ouais, ou tu te manges une petite voiture que t'avais pas fait gaffe juste au dernier moment. Voilà, il y a qu'un seul bouton qui vient après, c'est power quoi. C'est tout. Ouais, bon. Il me semble que t'es dans un circuit difficile. Donc garde ta nitro pour qu'elle soit bien. Ah bah en fait, là j'ai du. Mais vas-y, mais arrête de faire les 360, mais c'est lui, il les fait tout seul, à moins que ta manette ait un... Un bug. Ouais, à moins qu'il y ait ton joystick qui part. Et reconnaît pas le Dakivor, du coup, c'est digital. C'est reconnaissance digitale. Ouais, quand même. C'est-à-dire, si tu joues encore 10 minutes, elle va t'électrocuter. Les courses sont respectées suivant la... Va falloir t'accélérer, t'es 8e. Ouais, le problème c'est que moi j'ai une trottinette et là-bas ils ont des Ford des full stop 50 donc ouais, là à mon avis il faut venir ici quand t'es comme un besoin. J'ai pas envie de pisser là. c'est quoi? J'ai une fuite d'huile. Ah, t'es peut-être une fuite d'huile. Je sais pas. Bah, par contre moi je vous préviens, Misador n'apparaîtra pas. Enfin si, il apparaît mais tout le temps en fait. Oui, c'est ça. Le Xavor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'antithèse du Dakivor. Bon, je me plante, mais bon, pas autant que ça. Et... Ah, d'accord, t'as 66 sur... radars dans la ville, apparemment. Allez, vas-y, mange. Ah, moi aussi, je mange. Oh,
Oh là là, c'est butt sex contre la rambarde. Non, mais crois pas. Voilà, ça c'est Xavier, donc tu vois, vous voyez, à 500 mètres de l'arrivée, voilà, je me fais arrêter. Voilà, pourquoi tu fais des... J'ai énormément dosé là. Voilà, j'ai le mur. C'est autre qu'une des voitures les plus emblématiques de la planète, à savoir la Cobra. Regardez-moi cette mise en scène New Age, New Wave, Art Deco, Next Gen. J'adore les mises en scène, j'adore. Et pour la battre, j'ai décidé de prendre ma bagnole préférée, ou une de mes bagnoles préférées, tout simplement la Ford Mustang GT. Je suis pas spécialement fan de l'arrière de la voiture, mais alors les pneus et l'avant... Oh là là, les pneus et l'avant, mais ça me fout des frissons, mais même en photo, j'en ai des frissons, quoi. Alors, quand je la vois en vrai, ça me déflaque le slip, vous pouvez même pas vous rendre compte. Bon, là, elle est en jaune, ça fait bizarre. Alors, la salope, elle est là, 1,3 km. Tu veux pas te casser la gueule? Ah oui, c'est vrai qu'il y a la gestion du poids des véhicules. La Ford Mustang est Vous croyez que je peux la battre encore? Bon, allez, on va tester. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai conduit des voitures électriques et un gros souci avec les voitures électriques. Écoutez. Voilà, on a l'impression que la console a bugué et quand vous conduisez une voiture électrique, vous avez l'impression tout simplement d'être à l'arrêt. Vous n'avez pas l'impression d'être en train de conduire une voiture. Vous ne savez pas. Et du coup, moi, je ne sais pas si je roule à 50, 60, 70, 120, 130. Il n'y a aucune appréhension parce que quand on roule avec une voiture normale, on a le moteur qui est... Donc on sait quand changer de vitesse, on sait si on est en sur-régime, on sait si on roule vite ou pas. Là, c'est fait super peur. Une fois, j'ai failli me faire écraser aussi par une voiture électrique. Bah oui, forcément, on ne l'entend pas arriver. Donc c'est très très dangereux les voitures électriques. Moi, je pense qu'ils devraient ajouter une sorte de MP3 qui simule le bruit du moteur pour que ça soit moins dangereux parce que c'est vraiment super 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 dangereux. Une bagnole électrique, c'est bien pour la planète, mais c'est pas bien pour rouler dans la rue, c'est trop dangereux. Puis il y a aucun plaisir de conduite, aucun plaisir, parce que le premier plaisir dans une bagnole, c'est quand on entend le moteur ronronner, monter dans les tours et s'exciter comme un félin qui rugit, quoi. C'est ça qui donne l'adrénaline. Là, j'ai plus l'impression de conduire une éponge, mais une éponge agréable. Tac, avec le 7ème boss. Avec une super mise en scène, moi, qui me fout le frisson, quoi, on dirait l'apparition d'un méga boss ultra difficile, d'un RPG, un truc comme ça. Regardez-moi ça, on dirait une femme qui se dénude. Enfin, du moins, ça procure le même plaisir. Si, je vous le jure, ça procure le même plaisir. On attaque avec la Lexus. Je suis sûr que la personne qui a designé la Lexus est un grand fan des voitures de Ridge Racer, parce que ça ressemble furieusement à une bagnole de Ridge Racer, hein, tout simplement. Quant à moi, j'ai pris la Lamborghini Countach, qui est une des voitures les plus emblématiques des années 80, fin 80, début 90, je me souviens plus trop quand est-ce qu'elle est sortie cette bagnole, mais tout ce que je me souviens, c'est quand j'étais gamin, ça m'envoyait du rêve, quoi. Pour moi, c'était un vaisseau spatial qui était venu sur Terre pour répandre la bonne parole, quoi. Il y a une sorte de... Oh là là! Oh, c'était juste. Il y a une sorte d'homogénéisation... Oh putain, qu'il est compliqué ce mot. Une sorte d'homogénéisation, d'homogénéité. Oh bon, enfin, vous avez compris. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Regardez-moi ça. On dirait un StarTac. Pour ceux qui ont connu les StarTac. Est-ce que vous aimez, vous, les grosses bagnoles de course, là? Vraiment, ça, c'est pas des bagnoles faites pour la route, quoi. C'est des bagnoles faites pour des circuits. Ça fait bizarre de voir ce genre de bagnole sur la route. On est croisé deux fois. Oh si, une fois sur l'A3, en rentrant chez moi. Je vois une Corvette Z06 passer devant moi à toute berzingue, mais vraiment à toute berzingue. J'étais à 120, elle a dû passer à 250, 230 parce que ma voiture elle a fait bouf, elle a fait un petit décalage sur le côté. Et j'ai juste eu le temps de voir sa plaque, et sa plaque, c'était une plaque américaine, et il y avait juste écrit 2F4U, ce qui veut dire en argot américain Too Fast For You. J'ai fait oh le connard, le saligo. Enfin voilà quoi, c'est Too Fast For You. J'ai eu des frissons dans le dos. J'ai fait waouh. Alors ça, c'est la classe à l'américaine. Dites-moi un peu, racontez-moi un peu votre expérience quand vous vous êtes fait dépasser par une méga bagnole ou quelque chose sur la route. Je vous laisse la mise en scène très Star Warsienne pour la bête et on se retrouve juste après. Da.
Ah oui, dans 30 minutes. Ah, elle est magnifique, elle me file des frissons cette cinématique. Et la bagnole aussi. Pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est la Lamborghini Aventador Polyangle. Je voulais absolument avoir une belle photo, j'avais mon trépied, j'ai pu prendre une photo en HDR. Oh, elle m'a déboîté, elle est passée à combien? À 500 à l'heure? Elle s'est crachée en même temps, ça va. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais mon trépied, donc j'en ai profité pour faire une superbe HDR. Qui parmi vous adore les bagnoles et surtout adore aller au salon de l'auto? Moi, j'adore aller au salon de l'auto. Il y en a qui disent, ouais, Japan Expo, il y a trop de monde. La Paris Game Week, il y a trop de monde, c'est chiant. Les mecs, vous êtes jamais allés au salon de l'auto. Hein. Le salon de l'auto, c'est la Paris Game Week, la Japan Expo et tout ce que vous voulez, mais x10. Vous savez même pas idée de ce que c'est le salon de l'auto. Et c'est même pas, et c'est pas un entrepôt, c'est tout le salon de Versailles. Tout le salon de Versailles, qu'est-ce que je raconte? Tout le parc des expositions de Versailles, c'est vraiment un autre niveau, quoi. Et moi, j'ai ma petite Viper. Qu'est-ce que j'ai pu détester cette bagnole dans les grands Turismo pour passer les permis. Il y avait la Viper et la Corvette pour passer les permis dans les premiers grands Turismo. Fallait se lever de bonne heure. C'était quelque chose de fou. Très très bien lors du Mans. Oh, c'est magnifique. C'est beau ça. Ça, c'est du takedown d'équivorien où je m'y connais pas. Regardez-moi l'arrière de cette bagnole, regardez-moi la calandre avant, quoi. Elle est sublimissime, la Audi R8. Son prix aussi est sublimissime, mais bon, ça peut être très vite ingérable. Oh là là, il y a un poteau dans le désert et je me le prends, quoi. Donc ça peut vite devenir le bordel. Mais non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai avec les poteaux du milieu? Elle est trop puissante, merde, elle est trop puissante. Allez, allez, souvire, ça y est. Quand on fait des donuts, en fait, on sent la température des pneus qui monte. Et voilà, vous avez vu? On sent la température des pneus qui monte, la pression, et le pneu éclate. J'ai trouvé ça super, super intéressant. Alors, j'imagine que c'est les Corvettes. Elle s'est cassée la gueule, d'accord. Le trou, il est là. Et ça, avec la musique, avec l'ambiance, avec les voix... Enfin, c'est... La magie Need for Speed opère, quoi. Malgré les années, malgré les épisodes... Ah! D'accord, je suis tellement rapide que je ne peux même plus toucher les murs, quoi. Dites-moi vous-même si vous... Parce que moi, je préfère jouer aux jeux de voiture en vue arrière. Parce que j'aime bien regarder la plastique de la voiture, quoi. C'est comme un bon Tomb Raider, imaginez, en vue intérieure. Il n'y aurait aucun... Mais non! Il n'y aurait aucun plaisir, tout simplement. Si on peut pas profiter de la plastique du personnage principal. Bah là, c'est pareil. C'est pour ça que je conduis Yes! C'est pour ça que je conduis en vue extérieure, tout simplement. Alors, c'est sûr, la vue intérieure offre des sensations de conduite inégalées, mais c'est trop bon. En vue arrière, c'est trop, trop bon.